pour Bakary Sagna. Ça, c'est un profil différent de ce qu'il avait vu face au Cameroun, Richie. On a vu sa qualité de centre à l'instant. King, c'est Coman. Et c'est passé. Bakary Sagna. Oui. Qui va pouvoir centrer. Oh oui. Et Olivier Giroud, 8e minute. Encore buteur. Oh, quelle réponse après une semaine difficile pour Olivier Giroud. Il avait marqué à Nantes, il marque ce soir à Metz. Les Bleus mènent 1-0. Elle est magnifique là. Sur les 5 derniers matchs, il avait marqué. Ce soir encore, il marque. Et de quelle façon. Et de quelle façon magnifique cette talonnade d'Olivier Giroud. Ça va faire taire les sceptiques. Et c'est le geste, hein, c'est le geste à faire. Il passe devant le défenseur central et dans le petit espace vient tromper. Cette première mi-temps. Mais autour de lui, ça fonctionne très très bien avec Dimitri Payet. Oh, jusqu'au bout. Oh, jusqu'au bout, la frappe de Marchand. Oh oui. Et le doublé pour Olivier Giroud, qui attendait au bon endroit, qui rôdait sur cette ligne des 5m50 et qui vient réussir un doublé à la 35e minute. Les Bleus mènent 2-0. Giroud. On va le voir à la récupération de ce ballon, le bon contrôle. Et puis ce petit extérieur pour se mettre en situation d'armer sa frappe puissante. Et Olivier Giroud, comme d'habitude, toujours présent devant le but. Voilà, pas si simple, il faut être là, il faut tout le temps être là, le gardien qui relâche le ballon. Voilà, et il est là, il passe devant le défenseur écossais, Olivier Giroud, deuxième but. Il n'y a pas de plus belle réponse. Do stalo zakončení. Omlouvám se za mystifikaci s Paulem Pogbou. Dimitri Payet, další příležitost pro Francii. 39. minuta a tentokrát je to stoper Laurent Kostilny. Coman nebo Dimitri Payet. Tohle je určitá indicie, kdyby se dalo odpovědět. Patrice Evra prodloužil, pak už Kostilny neměl žádnou extrémně těžkou práci. Vydařený francouzský signál znamená, že Francie vede zatím v pohodě. Nad Skotskem už o 3 góly. No, to jsme odehráli s